Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo sur The Elder Scrolls Online Greymoor. On continue les quêtes secondaires de l'extension. Et là, donc la dernière fois, on avait fait une quête secondaire à une forteresse orc. Donc j'ai continué après l'enregistrement, évidemment, donc vous n'avez pas vu, jusqu'ici pour voir s'il n'y avait pas des quêtes secondaires qui traînaient. Et non, c'est pas cette touche que je voulais appuyer. Voilà, je vais juste fermer la map. Et donc, je suis arrivé là jusqu'à voir Rigurt l'Effronté, un personnage très récurrent de l'univers des Elder Scrolls Online, bien sûr. Voilà, qui il existe depuis le jeu de base et on l'a recroisé de temps en temps dans les extensions Somerset et Elsewhere, entre autres. Bref, allons-y. Dans quel pétrin il s'est mis cette fois-ci? Vous ayez stoppé le général Serien. Par contre, c'est bien triste pour le fils de Thanval. Oui, ça remonte à loin, ce que tu me racontes. Mon plus meilleur ami, Rigurt réfléchissait justement à ses réussites diplomatiques passées avec vous. Ça l'aide à oublier son problème actuel. Oh, mais vous pouvez aider Rigurt comme vous l'avez déjà fait par le passé. Vous êtes son meilleur assistant, après tout. Quel est le problème? Le roi Skald a envoyé Rigurt dans le bord de ciel occidental pour une mission importante. Évoquer un traité de paix avec Vendôme auprès du Tan Raldi et du Tan Svin. Et le Jarl Morin de Blancherive vient aider Rigurt à les rencontrer. C'est le plus grand diplomate de bord de ciel. Après Rigurt, bien sûr. Et quel est le problème? Rigurt doit les rencontrer bientôt, mais il y a un problème avec son aide. Il est plus méchant que d'habitude parce qu'il a faim. Rigurt ne peut pas rencontrer les Tan sans aide. Il a besoin de quelqu'un qui permettra de ne pas commencer du mauvais pied. Vous pouvez m'aider. Je vais vous seconder dans cette réunion. Pour cette... Oh, merci, mon ami. Rigurt ne voudrait pas que cet âne le prenne en grippe pour une bêtise. Retrouvez Rigurt au chalet de chasse du Jarl Morin. Nous arrangerons un grand traité de paix entre les bords de ciel occidental et oriental. Et que faites-vous ici avec le Jarl de Blancherive? Rigurt sait qu'ici personne n'aime le roi Skald ou son domaine. Mais avec la guerre des trois étendards, Rigurt doit trouver des alliés partout où il peut. Ça fait une éternité que Solitude n'a pas reçu d'émissaire de Blancherive. Il fallait faire autrement. Et le Jarl Morin peut vous aider? Il n'est pas de meilleur médiateur dans tout bord de ciel. Enfin, à part Rigurt, bien sûr. Le Jarl Morin est également une cousine lointaine des monarques du bord de ciel occidental. Sa famille a un chalet de chasse dans la région. Elle peut aller et venir dans le royaume sans attirer les soupçons. Et parlez-moi encore de votre mission. La mission de Rigurt ne change jamais. Être un visage beau et chaleureux pour la culture nordique dans tout Amriel. Rigurt ne se charge que des missions les plus importantes. Cette fois, il doit convaincre les Tan de signer un traité de paix avec Vendôme. Et pourquoi maintenant? La guerre des trois étendards traîne en longueur, et tous ceux qui ne sont pas les alliés... La guerre des trois étendards traîne en longueur, et tous ceux qui ne sont pas des alliés de Vendôme pourraient en devenir les ennemis. Et puis, ce n'est pas ça d'être fâché avec ses voisins. Rigurt avait une voisine d'enfance. Elle a détruit sa fourmilière préférée. Quelle tristesse. Ok. Ok, donc il faut aller... Bah en fait c'est là, juste à côté, c'est pas loin. Je ne veux pas être dérangé, sauf s'il décide de s'entendre et de me rejoindre. Jarl Morin, Rigurt a un nouvel assistant. Nous pouvons discuter avec les Tan. La négociation n'aura pas lieu, Rigurt. Ces idiots refusent d'oublier leurs différends absurdes. Grand Dieu, que j'ai soif! Discutons, mon ami.
Le Jarl Morin veut l'aide de Rigurt pour convaincre les Tan d'oublier leurs différends et s'asseoir à la table des négociations. C'est comme le roi Skald dit toujours, on trouve toujours Rigurt au cœur d'un problème, parce qu'il est si doué pour les résoudre. Et quel est le propos de la dispute des Tan? Rigurt l'ignore. Ces tireurs de barbes occidentaux s'offusquent d'un rien. Mon fromage est trop rond, le mien n'est pas assez rond. Rigurt, sortez vos mains du fromage. Mais Rigurt est certain que nous pourrons résoudre leurs problèmes, quels qu'ils soient. Et que pouvez-vous me dire sur les Tan? Rigurt sait seulement ce que lui a dit le Jarl Morin. Le Tan Raldi aime pêcher et suit les anciens dieux avec des animaux. Le Tan Svin aime manger et se plaindre, comme les Tan d'Estemarche, mais plus méchamment. Rigurt aura besoin de votre aide pour qu'ils se rencontrent. Je vais vous aider à résoudre le différend entre les Tan. Merci, mon ami. Rigurt est plus heureux qu'un Ragnar poilu dans un cellier. Nous n'aurons aucun mal à mettre fin à ce conflit, mon ami. Rigurt a surmonté de nombreuses épreuves que d'autres qualifiaient d'insolubles, comme la fois où il est tombé dans les latrines de Fort Amol. Je veux pas savoir. Devons-nous demander au conseil au Jarl Morin? Rigurt contrôle la situation, mon ami. Inutile de déranger le Jarl Morin. Nous trouverons les Tan, mettrons un terme à leur dispute et commencerons les négociations avant même qu'elle ait fini son hydromel. Et Rigurt espère simplement qu'elle lui gardera un verre. Et un second pour moi peut-être après ça. Bref. Hop. Le balcon de pêche que j'ai vu tout à l'heure, c'est là où il y a le teint, ça se trouve. Hop. Je l'ai déjà dit au Garborin, si le Tannes vide assiste à cette réunion, moi, je m'en vais. Et maintenant, vous pouvez laisser finir le rite de la baleine. Vous priez pour attraper des poissons. Moi, j'utilise un filet. Mon ami, tâchez de convaincre le Tan Raldi d'écouter Rigurt. Et par la baleine, ce train de glace est insupportable. Et comment voulez-vous que je fasse mes offrandes s'il me rebat les oreilles de la réunion avec le Jarl Morin? Si vous traitez aussi avec le Tan Svin, alors là vous me laissez tranquille. Hein. Moi je refuse de faire affaire avec quiconque qui lui aura parlé. Que faudrait-il pour que vous assistiez à la réunion à la loge du Jarl Morin? Ah non, mais j'ai peur que ce soit impossible. J'hésitais déjà à rencontrer un délégué de Vendôme. La présence de Svin ne fait que confirmer mon scepticisme. Mais c'est une brute épaisse. Et je refuse de lui parler de quoi que ce soit. Je ne lui parle pas. Je ne veux pas, non. Il doit bien y avoir un moyen de vous convaincre. Non, mon ami, non, y a rien. Je compte à présent communier avec les esprits de la nature et attraper la vieille Yelstoti. Ce poisson nageait déjà dans les eaux de Yann à l'époque de mon grand-père, oui. Et si les esprits le veulent bien, je l'aurai bientôt hameçonné. Je vois. Le Tan Raldi ne bougera pas tant que le poisson ne sera pas mort. Alors, si on prend un poisson, il devra venir à la réunion de Rigurt. C'est pas du tout ce que j'ai... Mon ami, retrouvez Rigurt aux profondeurs de Bisglace. Il a un plan pour attraper cette fille de Horker. Ah oui, d'accord, là-bas. C'est pas la porte à côté. Hey.
Kurt est heureux de vous voir, mon ami. Cet endroit me hérisse les poils sous les bras. Rigurt entend depuis longtemps parler des étranges cavernes près de Solitude. Ces gens ne disaient pas qu'elles faisaient peur à ce point. Mais Rigurt n'a pas peur. C'est un fier, inébranlable fils d'Estemarche. Et maintenant, allons prendre ce qu'on venait chercher et partons, très vite. Et quel est l'intérêt pour convaincre le Tanraldli de nous voir? Rigurt a dit que nous attraperions le poisson idiot du Tanraldli pour lui. Mais Rigurt doit admettre quelque chose qui va vous étonner. Il n'est pas doué pour le pêchage. On dit pour la pêche, tout simplement. Bref, alors, que faisons-nous ici? Rigurt est peut-être mauvais pêcheur, mais il reste le meilleur ambassadeur de tout Tamriel. Et il sait justement comment obtenir l'appât parfait, grâce à son séjour chez les Argoniens de Fangeombre. Que vous arrive-t-il? Un champignon avec un nom argonien idiot. Trop de son pour la pauvre langue de Rigurt. Mais il pousse dans les puits sombres et humides de Fangeombre, des puits comme celui-ci. Si nous cherchons un peu, Rigurt est certain que nous le trouverons. Êtes-vous sûr que cela va marcher? Oui, Rigurt le jure. Aucun poisson de Tamriel ne peut résister à ce champignon. Si ça poussait plus abondamment, tout le monde en utiliserait, mon ami. Et maintenant, passez devant. Rigurt vous suit. Il faudra mon nez subtil pour trouver notre trésor. Et où faut-il chercher ce champignon? Rigurt se rappelle que ses amis argoniens l'avaient emmené au plus profond d'une taverne qui empestait. Tout au fond, Rigurt a vu le champignon. Et il l'a senti aussi. Il ne devrait pas être difficile à trouver. Ouvrez l'œil et la narine, mon ami. Dommage que c'est pas cela juste ici. Ah non. Ah mais bon, on va aller jusqu'au bout du donjon, quoi. Ensuite, c'est par là. Rigurt se souvient de cette lourdeur. Il va tout de suite en rapporter au Tanraldli. Bon. Sortons d'ici.
Sorti. Hop. Alors... Ouais, faut que je trouve un moyen de faire le tour. Ça me semble prometteur. Moi je me souviens, on était passé par là. Parfait. Et la canne à pêche, elle est où? Quel gars! Ah, par les esprits! Ce siège, c'est la vieille galette de tir! C'est la partie du pêchage où on poursuit le poisson, oui? Oh, mon ami! Attends. Ah, faut poursuivre carrément comme ça. La vieille galette de tir, c'est un orca. Depuis des années, j'adresse prières et offrandes aux esprits animaux que ma famille vénérait depuis des générations, en comptant sur leur bénédiction en retour. Et voilà que ce crétin lance un champignon moisi dans la rivière et capture la proie de ma famille. Alors, vous acceptez de rencontrer le Tansvin et le Jarl Morin? Comment refuser? Votre ami atrocement borné et vous m'avez donné une bonne leçon aujourd'hui. Ah, et qu'est-ce que c'est? Vous m'avez appris que mon différend avec le Tansvin n'a aucun sens. Mais en fait, rien n'a de sens. Toute une vie de prière et de vénération en vain, alors que le premier crétin venu peut accomplir votre rêve en un clin d'œil. Il n'y a aucune justice dans ce monde. Alors je vais le rencontrer. Je vais m'assurer que le Tansvin sera là aussi. Laissez-moi. Si vous avez des choses à voir avec le Tansvin, faites. Je crois que j'ai besoin de rester seul un moment. Et que comptez-vous faire de la vieille Yalstodir? Je compte la relâcher. De la voir là, de plonger dans son regard sans fond. Oh! Oui, c'est une torture. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Oh. Beau travail, mon ami. Rigurt va trouver le Tansvin. Retrouvez-moi sur place. Bon, allons-y. L'automne, bon, il est pas très loin.
Oui. De nouveaux champignons. Dégage, trait de glace. Je préférerais coucher avec un géant que partager la table du Tanraini. Ah, Rigurte l'a fait une fois. Mon ami, vous pouvez peut-être parler aux femmes. Par le gosier d'Orquet, le roi Skald a des sujets vraiment obstinés. Si vous venez me demander de discuter avec le Yarmorin et ce gouvernelet de Tanraini, dégagez. Le Tanraini est tellement pompeux qu'il me coupe quasiment l'appétit. Quasiment. Et vous ne pouvez pas oublier votre différend un instant? Par la lettre de Kim, je vais mourir d'inanition et j'ai tout ce que vous trouvez à me demander. Je suis un Yarl du bord de ciel occidental, pas un poète sentimental du boudoir de Jorul. Maintenant dégagez. C'est déjà assez pénible d'attendre mon festin sans supporter vos bavardages. Inanition? Ça veut dire quoi? Le festin? Chaque fois qu'on m'a invité au chalet du Yarl Morin, elle me préparait un festin traditionnel. Cette fois, j'ai jeûné toute la semaine pour me préparer. Et je m'attendais pas à voir ce dos neigeux de Raldi. Je dois être pris sous une mauvaise étoile. Alors pourquoi ne pas manger? J'ai juré que mon prochain repas serait un festin nordique. Et je tiens toujours parole, parbleu. Oui, mes crétins de vassaux ont laissé les provisions à la maison. Pourquoi ne pas partir, tout simplement? Le tas de Raldi sait que je suis ici. Je ne vais pas donner à ce tas d'impurins le plaisir de savoir que j'ai été le premier à tourner des talons. Dès que Rigurd a vu la panse du Tansvin, il a su que c'est un nordique qui suit ce que lui disent ses tripes et boit sa tête. Rigurd est pareil, mais moins fier à lui, on s'en va chez lui. Mais s'il faut un festin nordique pour que le Tansvin nous écoute, il en aura un. Et qu'avez-vous en tête? Notre ami Ventripotent veut un bon repas nordique, oui. Alors Rigurd va lui préparer le sanglier rôti nordique le plus saliveux qu'il aura jamais mangé. Et pour assurer sa réussite, Rigurd va relever ce plat avec des techniques apprises dans toute la Brienne. Et vous êtes certain que vous êtes d'attaque? Mon ami, Rigurd répand la joie de la cuisine nordique dans toute la Brienne. Il a aussi vu comment d'autres cultures se remplissent la panse. Ce sera facile. Rigurd a juste besoin d'aide pour les ingrédients. Et de quels ingrédients avez-vous besoin? L'ami de Rigurd, Faretor, un boucher de Prasin, passe ses hivers au pont du dragon. Sa viande est divine. Et nous pouvons l'assaisonner avec de l'hurlot orc. Rigurd sait que Magrok à Morcasgur en prépare. Pendant que vous irez me chercher ça, Rigurd s'occupera du dernier repas. Qu'est-ce que l'hurlot orc? Rigurd ne sait plus. C'est du brutal, très apprécié des clans de Vrodgar. Ça fera un merveilleux ingrédient. Et qu'a-t-elle de si spécial la viande de Faretor? Rigurd goûte des viandes de tout abrier. Certaines gigotaient, certaines aboyaient, certaines résistaient. Mais c'est à Prasin que Rigurd a mangé les meilleurs morceaux. Je ne sais pas de quel animal il venait, mais Faretor disait qu'il honorait le pacte. Oui, le pacte vert, pas le pacte de cœur et bête, vu que c'est un boss-mère. Mais c'est pas grave. Et sinon, comment connaissez-vous ces gens? Vous oubliez que Rigurd est l'ambassadeur culturel le plus accompli de Vendôme. Il se fait des amis partout et apprend tout ce qu'il peut sur les endroits qu'il visite. Surtout en ce qui concerne leurs boissons et leurs plats. Ma foi. Du coup, la forteresse et pont du dragon. Bon, ça va faire une petite trotte. Yeah.
vous venez pour mon hurlot, c'est ça? Parlez tous fort. Comment faites-vous pour deviner quand mes cuvées sont prêtes? C'est vous, ça? C'est Régurt l'effronté qui m'envoie. Il a besoin d'hurlot. Hors de question! J'ai vu ce qu'une liqueur comme hurlot peut faire entre les mains d'un nordique comme Régurt. Mon clan n'a toujours pas fini de reconstruire sa longère. Je refuse de vous en vendre. Et si vous me donnez une bouteille pour m'aider à sauver tout bord de ciel? Admettons, pour Rodgar, mais une seule bouteille. Avec un donné entier, Rigur pourrait mettre le feu à la campagne. Que Malakat m'emporte, j'espère que je ne le regretterai pas. Merci beaucoup. Je suis toujours surprise de voir comme les gens aiment mon hurlot. Moi, je n'apprécie pas spécialement, mais la plupart des orques en raffolent. Et qu'est-ce que l'hurlot exactement? Vous essayez de me voler ma formule, c'est ça? Je vous dirai jamais rien. La fermentation sous un tas de gousses de mammouth aide à obtenir son fumet unique. Mais le reste est un secret d'abrégation. On ne saura pas plus. Ouais. On va aller à Pondragon comme ça, ça sera plus rapide. J'espère que vous avez un autre fournisseur. Ou faut-il que je savoure cette boisson? Je pensais faire affaire avec quelques trolls, à vrai dire. Ils ont de l'excellent hydromel. Toute viande vient à point pour qui sait attendre, disait mon père. Alors parler à un inconnu est un moyen comme les autres de passer le temps. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un ami mutuel, Régurt l'effronté qui m'envoie. Il lui faut de la viande. Régurt le... ce balourd ambassadeur nordique est là? Ben voyons. Il arrive juste au moment où tout allait bien. Si Régurt a besoin de viande, pourquoi vous envoie-t-il m'enquiquiner? Bord de ciel a plus que sa part de boucher. Et même certains qui sont compétents. C'est pour un repas spécial. Il veut ce qui se fait de meilleur. Eh bien, ce balourd a bon goût au moins. Tout ce que j'ai pour un repas de gala, c'est une carcasse de sanglier que je laisse faisander. Mais elle est pour la table du Yar. Pas de chance. Vous ne pourriez pas donner la viande à Régurt? Peut-être. Je suis venu à Bord de Ciel pour goûter au kiviak préparé par de vrais géants. C'est un délice. Il y a un camp géant pas très loin, mais personne ne veut m'y quitter, ni me déterrer cette friandise. Les géants l'enterrent, vous comprenez? Si vous voulez ce sanglier, rapportez-moi du kiviak, et on échangera. D'accord. On n'a plus rien à se dire, d'accord? Je dois me concentrer sur la préparation, sinon c'est deux jours de travail fichu par terre. J'intimide ou je fais son échange? Bon, allez. C'est pas si compliqué que ça. Hop. Puis ça permet d'explorer un peu en même temps. Oups. Oui.
J'espère que vous avez un autre fournisseur. Alors, qu'est-ce qui vous ramène ici? Si c'est pour le fromage de tête, il ne sera prêt que dans une heure. J'ai votre Kiviak. Ah! Je ne pensais pas que vous en trouveriez. Je suis étonné. J'espère que les corbeaux ont assez maturé. Autrement, ça pourrait tuer quelqu'un. Quoi qu'il en soit, vous m'avez aidé. Alors je vous aide. La carcasse de sanglier est à vous. Je peux l'emporter? Vous imaginez que je vais vous laisser fourrer toute une carcasse de sanglier dans votre sac pour balloter la viande dans tous les sens en vous promenant dans la campagne? Non. Je vais faire envoyer la carcasse à Rigurt avec toute la délicatesse nécessaire. Très bien. Vous semblez beaucoup vous intéresser à la viande. Et pourquoi pas? Après tout, j'en suis fait. C'est pas vegan friendly, ça. Quel est le plus simple? Non, on va partir de la forteresse orque et puis aller tout droit. Nous voici. Mon ami, vous arrivez juste à temps. Rigurt n'a presque plus de blagues sur les guerriers nordiques. Il a raconté sa préférée sur le orqueur en rue, et je n'ai pas dû bien l'expliquer. En général, elle fait beaucoup rire. Je vois que la viande est là. Vous avez l'urlot? La voici. Oh, c'est aussi fort que dans mon souvenir. Tant mieux! Rigurt a utilisé ses contacts au bord de Solitude pour mettre la main sur de l'épice de canne de Rimmel et un ingrédient secret spécial. Et maintenant, nous sommes prêts à cuisiner. De quoi avez-vous besoin? Rigurt doit se concentrer sur le feu. En attendant, vous devrez vous assurer que le sanglier rôti est parfait. S'il est trop fade, ajoutez de l'assaisonnement. Trop sec, arrosez d'urlot. Trop dur, attendrissez-le. Alors, mon ami, vous êtes prêt? Eh bien, préparons un repas pour le Tan, Swing. Le parfum est trop fade. Épicez la viande, mon ami. Alors, assaisonner. Non, ça ne va pas. Il faut recommencer. Ah. Le parfum est trop fade. Épicez la viande, mon ami. Oh, la viande trop sèche. Utilisez l'urlot. Ah d'accord, là c'était bon. La viande est plus ferme qu'une carapace de bazar. Nous devons l'attendrir. La viande commence à sécher. Arrosez-la encore. Attendrissez-la encore. Par les boulettes de sort. Vous voulez prendre fou avec ces odeurs? Tan Svin, Rigurt a préparé un plat délicieux pour soigner votre beau sadisme. Oh, c'est complètement fabuleux! Il y a un goût que je ne reconnais pas. C'est l'ingrédient secret de Rigurt, du but de affreuse en poudre.
Non, non. On a réussi. Il est plus que ravi. Allons lui demander s'il a changé. Son commentaire. Allez vous faire voir, cet idiot et vous. Vous faites manger du pu de affreux séché. Vous voulez me tuer? Et pourtant... Par les dieux, ce goût, cet arôme, je ne pense qu'à ça, c'est entêtant. Alors, ça vous plaît? Oui, je ne veux pas dire le contraire. Mais personne ne peut le savoir. Les affreux, ce sont des créatures crasseuses et écœurantes. Si quelqu'un savait que j'en ai mangé une, on me retirerait mon titre. Je serais la honte du bord de ciel occidental. Oh, une chose aussi infâme peut-elle avoir aussi bon goût? Vous êtes prêt à mettre votre différend de côté pour discuter avec le Tan Raldi et le Yarn Morin? Malédiction sur vous deux. D'accord, je vais oublier ma brouille avec Raldi et assister à cette réunion. Mais j'ai deux conditions. Un, vous ne parlez à personne de ce que j'ai mangé aujourd'hui. Deux, s'il reste de la sauce, je l'emporte. Entendu, je vais prévenir le Yarn Morin et le Tan Raldi que vous arrivez. Eh, j'arrive. Par les dieux, laissez-moi 5 minutes pour reprendre mes esprits. Vous êtes en état d'assister à la réunion? Bien sûr que oui. Il me faut juste un moment pour réfléchir. Après avoir goûté ce repas, je pense que je ne serai plus jamais le même. Bon, ben voilà. Bon travail, mon ami. Rigurte vous rejoindra au chalet du Yarl Morini. Pendant que Rigurd fait le ménage. Tiens, tiens, l'ami étonnamment séduisant de Rigurd l'effronté. Il ne me reste pas de bouteille neuve, mais vous pouvez sans doute remplir une chope si vous êtes prêt à mélanger quelques crus. Alors, servez-vous un verre. Y a rien à faire à part boire. Les Tan ont mis leurs différents côtés. Ils sont d'accord pour vous rencontrer, Rigurd et vous. Attendez, vous voulez dire, ils viennent discuter d'un traité avec l'Estomarche? Par le souffle de Kin, quand? Ils devraient arriver sous peu. Alors, j'ai besoin de mes scribes, j'ai besoin de conseillers, j'ai besoin que mes chefs préparent les victuailles, j'ai besoin de mes spécialistes en loi, j'ai besoin de m'asseoir. Bonne chance, Yarl Morin. Yarl Morin? Rigurd, j'arrive trop tôt! Pas du tout. Rigurd et son assistant n'ont plus qu'à finaliser les préparations. Un instant, mon ami. Rigurd sait que la diplomatie n'est pas le chemin le plus simple, mais celui-ci était presque trop accidenté, même pour lui. Mais Rigurd n'aurait jamais réussi sans vous, mon ami. Vous êtes prêt à envisager le traité? Rigurd est prêt. Bien sûr, le roi Jorun a interdit à Rigurd de dire quoi que ce soit pendant la réunion. Alors je viens surtout hocher la tête et sourire. Vous avez été le plus meilleur des amis de Rigurd. Prenez ça avec ses remerciements. Tanzvin, ce n'est pas parce que je suis là que j'ai oublié le festival de la nouvelle vie. Quelqu'un pourrait-il remercier le Tan Raldi de me tourner le dos pour que je n'ai pas regardé sa barbe pisseuse? Regardez-moi toutes ces bouteilles. Vous avez commencé sans nous, Yarn Morin. Eh bien, à ce propos, je... Ah, ça c'est de la diplomatie comme je l'aime. D'ailleurs, il faut qu'on discute, non? Oui, je suis d'accord avec mon confrère corpulent. Discutons de votre traité. Bien sûr, tout de suite, vos tanitudes. Bon, ben voilà. Ça, c'est fait. Bon.
du coup, ça fait une quête de son manière de faire par là. On a le gate card, ça a été fait pendant la quête principale, mais on a fait les quêtes secondaires de la zone. Là c'est pour aller à Griffe Noire. Est-ce que cette zone est assez faite? Il y a une entre par là qu'il faut faire. Pour les camps de géants, c'est juste bouffer le fromage. Ça c'est plutôt simple. Il y a quelque chose par là. Voilà. Donc moi je vais donc ça va être la fin de la vidéo. Moi je vais continuer un peu pour essayer de rechercher une nouvelle quête secondaire à faire. Et ben, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et portez-vous bien.